C'est vrai, depuis que vous êtes en France, les princes de l'Église ont le pas sur les princes de sang. Au fait, je me demande si c'est bien prudent. Comment ? Je ne crois pas bien prudent de laisser un frondeur comme le cardinal revenir à Paris. Certes pas. Gare le rouge. Mais vous n'allez pas. Vous n'allez pas. Adieu, signor Giulio. À nouveau unis au grand et au Parlement, Condé, son frère Conti et son beau-frère Longueville quittent la prison où les avait jetés le gredin de Sicile. Mazarin était allé lui-même libérer Condé pour tenter de négocier, mais Condé l'a rejeté au sol du bout de sa botte. La reine et l'enfant roi, étant à demi prisonniers à Paris, le cardinal n'a plus qu'une ressource. Fuir, se réfugier dans les Ardennes, au château de Bouillon, et attendre que la chance, peut-être. Le courrier n'est pas arrivé? Pas aujourd'hui, monseigneur. Vous avez eu votre poste hier. Chiffrez mes lettres. Bien, bien. Je m'aperçois d'une chose étrange dans cette chambre. Je ne sais que faire. J'ai aimé les livres sans les lire, les peintures et les statues sans presque les voir. Je m'aperçois qu'il n'y a eu qu'une force dans ma vie jusqu'à cette fuite, le travail. Me voilà exclu des conseils, exilé du royaume. Et ces catastrophes me mènent à un petit mal quotidien. Je m'ennuie. Je me demande ce que faisait Monsieur le Prince dans la prison où je l'avais mis. À part cultiver des œillets. Il attendait que votre éminence vienne le délivrer. Je me demande ce que j'attends. Et pourtant, je suis malade d'impatience. Après des années si dures, monseigneur, ces deux frondes insensées, puisque l'exil vous force au repos, relisez Tacite. Non. C'est comme si j'avais faim. C'est la troisième fronde qui m'intéresse. Mon imagination à moi, c'est des événements, des secrets devinés dans les cœurs fermés. Mon ouvrage, c'est de savoir que chaque serrure a sa clé et de la découvrir. Ma méditation, c'est un calcul sur les actes des hommes. Ici, je suis comme une machine démontée parce que je ne sais faire que ça. Gouverner. Gouverner avec la reine. Et je suis au piège. Et sans elle. Il va falloir en tout cas sortir de ce piège-là. Les Espagnols viennent de publier que leurs troupes pilleront et brûleront toutes les terres de ce château de Bouillon, tant que votre éminence y séjournera. Quand? Hier, 20 mars. Il faut quitter les Ardennes. Où aller, Gérard? Nous n'avons pas de passeport, pas d'escorte. Et plus de linge. Nous n'avons pas osé vous dire que les deux derniers convois de M. Colbert avaient été fouillés et les voitures pillées dès les portes. Et le courrier? Et de toute façon, les lettres arrêtées sont chiffrées. Je ne sais même plus si mes lettres arrivent.
La reine croit peut-être que je lui en veux. Que je l'abandonne. Il y a un seigneur espagnol qui demande la porte et l'hospitalité avec toute une troupe. Toute une troupe? Voici Don Nicolas Aitor et Urgoiti, Don David Arita Colia, Don Diego Torres Alba Siburin. Ces trois gentilshommes vont commander votre escorte. Señores, j'ai eu des capitaines castillans face à moi, je préfère les avoir à mon côté. Le château se nomme Brulle. C'est une vieille forteresse allemande près de Cologne, mais on l'a dit bien meublée. L'électeur de Bavière en fait don à votre éminence tant qu'il lui plaira d'y séjourner. Un intendant vous y attend. Dois-je avouer à votre excellence qu'il me sera difficile de... mener ce train. Et là, je suis sans équipage d'aucune sorte. L'électeur archevêque et son trésorier sont aux ordres de votre éminence. Pour le voyage... L'archiduc gouverneur des Pays-Bas vous accorde bien volontiers le prêt que vous auriez sans doute demandé. L'archiduc Léopold a également songé qu'il vous serait agréable d'avoir à Brulle votre famille. Voici tous les passeports assurant le passage. Ils permettent aussi quelques promenades dans les forêts et sur le Rhin. C'est un beau pays. Je ne sais comment. Un peu froid pour nous autres latins, un peu rude de mœurs. Un jour, quand la France et l'Espagne auront fait la paix, vous me permettrez de me souvenir de tout cela. Savez-vous, monsieur le cardinal, que Sa Majesté Philippe IV vous considère comme son plus redoutable ennemi? Peut-être l'ai-je été, en effet. Peut-être. À la paix de Westphalie, que nous avons discuté ensemble. Mais que je n'ai pas signé. Hélas. Je m'étais juré qu'un jour viendrait où mon roi n'aurait plus à redouter votre embrassement entre Flandre et Roussillon. Je vous avais déjà séparé de l'Autriche. Mais je ne suis plus en condition d'être un redoutable ennemi. Mais vous pouvez être un inestimable ami. Que me dites-vous là? Monseigneur, les petits égards que je viens de vous apporter honorent un grand adversaire. Ils ne sont pas de loin à la mesure de l'estime que l'Espagne vous porte. Si dans votre retraite, vous songez qu'un jour Sa Majesté Philippe peut vous compter à son service, ce serait un honneur pour l'Espagne. Et je vous garantis qu'elle ne serait pas ingrate. Vous voulez dire par là que la France est ingrate, n'est-ce pas? Mais voyez-vous, c'est le pays que j'ai choisi. C'est toute ma vie. C'est là que sont ma reine et mon maître. Je ne serai jamais quelqu'un d'autre. Et je finirai mes jours en les servant. Monseigneur, vos adversaires regretteront davantage encore ce qu'aurait pu leur apporter un homme aussi fidèle. Un joueur ne change pas d'enjeu en cours de partie. C'est vraiment très beau, monseigneur. J'ai réfléchi. Entre Paris et ce château de Brulle, je veux la poste la plus rapide et la plus secrète. L'ordre de l'archiduc servira à ça. C'est possible. Par plusieurs routes, mais avec des relais très courts. À Paris, approchez Servien et Hugues de Lyonne, qui vous aideront à cela. Vous direz à Colbert de ménager un moyen secret d'approcher la reine sans que personne n'en pénètre rien. Par mademoiselle Filandre? Madame de Brienne. En dehors des lettres que vous apporterez, il faut redire à la reine ceci. Nous avons trois forces en face de nous. Le Parlement, Monsieur et les Grands, enfin Monsieur le Prince et la maison de Condé. L'union de ces trois forces est d'autant plus fragile qu'elle se faisait contre moi et je ne suis plus là. Il faut y mettre la brouille. Par exemple, Monsieur ne peut pas supporter le premier président Mollé. Que la reine prenne Mollé au Conseil. Voilà le Parlement et Monsieur échauffés. Vous m'écoutez, Jeur?
plus grande difficulté qui se présente à moi. Maxima autem difficultas, quae semi offert. Dans l'exécution de ce devoir. In functione istius numeris. Et de dompter mes passions. Et domare meas cupididades. Et de les retenir comme des bêtes farouches. Et ilias continare quasi bellus imenes. Bien, mon fils. Monsieur le cardinal serait content. Il est vrai qu'un roi doit savoir dominer ses passions. Maman, quand monsieur le prince est venu vous saluer à son retour de prison, avec monsieur mon oncle, et tout ce monde qui avait l'air de triompher de nous, si j'avais pas eu peur de vous fâcher. Mon petit roi, nous sommes presque leurs prisonniers. Je les aurais pourtant fait taire et sortir. Quand je serai le maître, ni monsieur, ni Condé, ni personne ne sauront l'oublier. Quand vous serez le maître, Louis, ne rappellerez-vous pas monsieur le cardinal qui nous a si bien servi? Je me sens très seule. Toute seule avec vous. Maman. Il faut combattre tous les sujets qui résistent. Fussent-ils princes. Vous avez raison, Louis. Je vais changer ces petits ministres de mon conseil. Quelle heure est-il? Il fait encore nuit, monseigneur. Il est 5 heures. Mes chemises. Plus que deux en Baptiste. Il faut en demander à M. Colbert. Madame Monsigny va mieux. Il est arrivé une bonne nouvelle dès ce matin. Le duc de Mercœur est en route pour rejoindre ici Mademoiselle Laure. Voilà une constance qui prouve que je suis encore puissant. Ou que le duc a un cœur fidèle, tout simplement. Mais vous dites dès ce matin? Le courrier est arrivé? Oui, monseigneur, avec monsieur de Lyon. 4 lettres de la reine. 4 de Colbert. Et 1 de Servien. Vous voyez qu'un secrétaire d'État peut aussi être un courrier de poste. Il y a eu des changements importants, monseigneur. Oh, laissez-moi deviner. Les princes sont sages parce qu'ils sont comblés, étouffés de bonté. Le gouvernement de la Guyenne à Condé, de la Provence à Conti et de la Normandie à Longueville. Bien, Sa Majesté a pu brouiller un peu le Parlement avec les grands. Châteauneuf renvoyé du Conseil? Renvoyé. Le président Mollet est revenu. Il a pris les sceaux. Le Parlement demandait les états généraux. La reine a promis de les convoquer un peu plus tard. Aussitôt, tout s'est désuni. Les grands voulaient jeter Mollet à la Seine. Rien entre monsieur et les princes? On a fait remarquer au prince de Conti que
le charmant drapeau du parti de monsieur, la belle mademoiselle de Chevreuse, dont il avait promis de faire sa princesse, sortait un peu tôt le matin de chez le coadjuteur. Mariage rompu. Les deux fronts se tournent le dos. Bien. Ne pensez-vous pas que monsieur le prince reste notre plus grave ennemi? Si. Condé est un furieux. Plus on lui donne, plus il veut prendre. Il va de nouveau étaler l'insolence et la démesure avec sa sœur qui s'enivre de puissance comme lui de vin. Les jeux vont devenir des labyrinthes si mouvants que d'ici. Que c'est difficile de si loin cette rupture entre l'événement et la riposte. Entre les êtres aussi. Que devrais-je conseiller? Écoutez, il n'y a qu'un homme qui soit assez mêlé à tout ça pour en suivre les fils, c'est le coadjuteur. Gondi est du camp qui le fera cardinal. Il faut que la reine se l'attache à tout prix. Qu'elle lui donne ma place, s'il la veut, mon appartement. Qu'elle le fasse recouler. Qu'elle l'endorme sous un chapeau rouge. Mais qu'il la défende contre monsieur le prince. Il faut traîner. Dans 5 mois, le roi sera majeur. Je ne voudrais pas vous déplaire, pas même par la pensée qui n'est guère employée qu'à songer à la chose du monde qui m'est la plus chère, qui est vous. Il sera donc plaisant de vous appeler monsieur le cardinal. Votre majesté se moque de mon pauvre mérite. Je ne devrais songer qu'à refuser trop de bienfaits. Mais je refuse que vous refusiez. Oh madame, que de fois j'ai rêvé ici que votre majesté ordonne et que j'engage ma vie. C'est une prière que je vous fais. Défendez-moi de ce fou. Il exige, il menace. Hier j'ai dû céder. Et renvoyer du conseil Le Tellier, Servien et Lyonne. Ce matin, il veut poursuivre pour crime tous ceux qui écrivent au cardinal Mazarin. Il ne cache plus qu'il cherche à me faire emprisonner. Je vous en prie, aidez-moi. Madame, avec cette déclaration dont je vous ai lu le texte, nous allons dresser le Parlement contre Condé et l'obliger à quitter Paris. Mon sort est entre vos mains. Oh, madame, la joie de vous servir me ferait braver des armées. Vous avez promis le chapeau? Oui, contre 200 000 livres qu'il donnera à Colbert. Le cardinal en a grand besoin. Vous trahira-t-il? Non. J'ai flatté sa vanité d'homme, il est maintenant mon défenseur. Il prépare une déclaration où je dénoncerai la conduite de Condé. Il se charge d'y rallier monsieur. Malheureusement... Malheureusement? Il en profite pour me faire redire ma résolution d'éloigner pour toujours le cardinal. J'essaierai de raccourcir là-dessus. As-tu trouvé les chemises que demandait Colbert? Oui, madame, la plus fine batiste. Monsieur Colbert est jugé trop belle. C'est moi qui l'ai fait. Ce sera mon cadeau. Je vois dans ces déclarations qu'est du Condé. L'esprit, sinon la main d'un homme d'intrigue. Celui que la reine a chassé n'aurait pas mieux fait. Le Sicilien vient de trouver un successeur. Je vous en ferai rendre raison comme une rébellion à notre maître. C'est Condé le maître. En dehors d'ici, je vous étranglerai. Rentrez vos armes. Ce n'est pas là le lieu. Messieurs de la Rochefoucauld, irons-nous donc jusqu'à nous tuer? Mais c'est que vous vous acharnez à m'en donner envie. Sur ce,
Le coadjuteur et la Rochefoucauld sont bien restés 3 jours brouillés. Chacun s'en mêle. C'est une confusion de labyrinthe. Et le nombre des négociateurs risque de ne pas servir votre éminence. Elle me perd, voulez-vous dire. Et le Parlement? Tout ce qu'il y a de sensé adjure la reine de ramener la paix. Et le coadjuteur? Son zèle émeut sa majesté jusqu'à la tendresse. Il se voit souvent? Presque chaque jour. Dieu fasse qu'on ne surprenne pas la bonté de sa majesté. Faut d'abord que les gardes soient toujours nombreux dans le jardin quand le roi y est. Monsieur le prince pourrait risquer un coup de main par là. Je sais aussi qu'on dit des ordures devant le roi à tout moment, comme pour le débaucher. Ce petit vivonne qui ne le quitte pas ne vaut rien. Je vais m'en enquérir de près. Il faut éloigner du roi tous ceux qui le tiennent dans les flatteries perpétuelles. Sinon, il détestera ensuite ceux qui lui diront ses vérités. Et puis, qu'il travaille. Racontez-moi tout. Vous permettez, monseigneur? Eh bien. Je crois que je n'ai jamais vu une fête pareille. Le début du cortège touchait déjà le Parlement, que les derniers carrosses étaient au Palais Royal. Tout Paris était aux fenêtres. Ou sur les toits. Et le roi? Et le roi? Superbe. Souverain. Il était tout habillé d'or. Avec un cheval vif. Il le faisait danser. C'est un cavalier magnifique. Ensuite. Ensuite, le roi a pris séance dans la grande chambre. Il a dit que sa majorité le conduisait à prendre lui-même le gouvernement de son état. Et alors? Puis il a remercié sa majesté la reine. Comment était-elle? En broderie d'or. Avec les diamants. Le roi l'a embrassée. Elle avait les yeux brillants. Puis il l'a priée d'être après lui le chef de son conseil. Elle a souri. Mon Dieu. Que j'aurais voulu. Nous l'aurons au moins menée jusque-là. C'est que c'est fini, je... Monsieur n'est plus le lieutenant général du royaume. Ils ne sont plus rien, tous, que les premiers sujets du roi. Quelle mine faisait Condé? Il n'était pas là. Pas là? Oh! Il avait envoyé une lettre d'excuse que la reine a déchirée sans la lire. Et pourtant... Et pourtant? À présent, je n'ai plus que de mauvaises nouvelles, monseigneur. La veille, la reine avait consenti au Parlement, au prince et à monsieur, de faire 2 déclarations. Elle a pardonné à Condé. La première déclaration retire les accusations contre monsieur le prince, reconnaît son innocence et lui accorde le pardon. J'en ai apporté le texte. C'est bien ce que j'avais conseillé. Eh
Et la deuxième? La deuxième déclaration a dû être conseillée par le coadjuteur. Imposée presque, je pense. Il est devenu très puissant. Le peu de suffisance du cardinal Mazarin étranger dans les affaires de l'État. Quoi ? Suite malheureuse de ses mauvais avis. Dilapidation. L'ennemi du repos de la chrétienté. Mais c'est une infamie. C'est par juste punition de tant de crimes que le dit cardinal a été banni du royaume. Le roi fait de nouveau exprès défense et inhibition au dit cardinal Mazarin, à ses alliés domestiques de jamais entrer dans le royaume de France, à peine d'être poursuivi comme criminel de lèse-majesté et perturbateur du repos public. Le roi et la reine, je... Un voleur public, un insuffisant. Je demande mon honneur à la reine. Donnez-moi les lettres de la reine. Il n'y en a pas, monseigneur. Non. Non. Tout est perdu. Que puis-je faire d'ici? Je suis trop loin. Renonce à tout. Je demande seulement mon honneur à la reine. Avec des larmes de sang. Quand votre poste peut-elle repartir? Sur le champ. La malheureuse, elle n'a pas compris. Même le coadjuteur n'a pas compris. C'est maintenant que Condé va faire la guerre. Eh bien, nous aussi, nous ferons la guerre. Insuffisant. Je vais me battre. T'as vu ce qu'a gagné le Mazarin? C'est le temps. Le temps pour le roi de grandir. Que voulez-vous faire? Le roi est majeur maintenant. Justement, il n'y a plus un moment à perdre. Ne songez-vous donc à rien quand vous étiez en prison? Où c'est la paix? Monsieur le prince, mon frère, éloigné à jamais de toute vraie puissance et de ce qui pourrait aller, qui sait, presque jusqu'au trône. Anne, vous êtes folle. Où c'est la guerre? C'est l'espoir. Où c'est la paix qui me ramène en Normandie avec mon mari en tranquille épouse? Où c'est la guerre et l'aventure? Et les nuits avec toi. Entre les deux, je choisis la guerre. Il y a comme une menace de prison dans le pardon du roi. Ne trouvez-vous pas? J'étais prêt à faire ma paix avec tout ça. Bon. Mais on m'emprisonne. On me libère. On m'accuse, on me pardonne. Tout ça m'exaspère. Je ne supporte pas qu'on me touche. C'est vrai que toutes ces finasseries ont trop duré, mais sachez, si vous voulez la guerre, il faut la faire. Lorsque j'aurai tiré l'épée, ce ne sera pas pour crever des oreillers. Nous n'avons pas assez d'argent, pas assez de troupes. Nous avons des univers d'héroïsme. Ça n'a jamais suffi, croyez-le. Nous pouvons soulever la Guyenne, le Poitou, le Berry. Et les Espagnols. Parce qu'il va falloir s'allier aux Espagnols. Je pense que vous y avez songé. Que décidez-vous? La guerre. Alors je vais donc souhaiter la victoire de l'Espagne. Oh!
Où est Condé? Il remonte à l'ouest. Il a pris Sainte et s'est installé à La Rochelle. Il se souvient mal. Mais le roi est sorti de Paris. Voilà le triomphe. Condé aurait serré autour de Paris comme on serre une gorge. D'ailleurs, cette ville est folle. Monsieur se demande qui il va trahir. Mademoiselle lui promène sa bêtise. Les précieuses y ressemblent à des ogresses. Et le coadjuteur y regarde le ciel pour voir s'il n'entombera pas un chapeau. Quant au Parlement, c'est la cour de Pétaux. Tout le monde y parle à la fois. Sauf quand c'est contre vous. Là, le Parlement est unanime, hélas. La vente a commencé. Quoi? Tout? Même la bibliothèque? Les Bibles? Naudé a tout fait pour l'empêcher. Tout est vendu. Toutes les Bibles, les manuscrits. Ces Robins m'achètent par l'os entier. Et je voulais donner la bibliothèque à la France. Et ce Parlement est censé détenir l'intelligence rayonnante, détruire une bibliothèque. C'est un crime contre l'esprit. Un crime de bêtise, le moins pardonnable. Mais ils ne connaissent pas mon entêtement, je la referai. Voici vos ordres. Vous avez les lettres de crédit? Je veux des espions sous chaque pas de Monsieur le Prince. En souhaitez-vous aussi à Bourges auprès du roi, Monseigneur? Naturellement. En ce cas, je suis en mesure de vous faire leur premier rapport. Monsieur de Lyonne arrivera ici dans 2 ou 3 jours, porteur de lettres du roi et de Sa Majesté la Reine. J'entends bien. Vous voulez dire que vous les avez lus? Non. Mais je sais ce qu'elles vous diront. Le roi vous demande de le rejoindre aussi promptement que possible. Il pense que votre retour à son conseil est ce qu'il peut espérer de meilleur pour ses affaires. Écrivez. Sire, puisqu'il a plu à votre majesté de se souvenir de la passion que j'ai toujours témoignée pour la grandeur et la prospérité de sa couronne, et que mon but est d'aller exposer ma vie. Exposer ma vie. Tout périra où je serai près de vous dans 15 jours. En disant cela, je suis déjà hors de moi. Tout périra où je vous verrai dans 15 jours. En disant cela, je suis hors de moi. Rassemblez tout ce qui peut être rassemblé au sud de Châtillon, au-dessus des mailles. Regroupez les pièces d'artillerie en dessous de Blénaud. Monsieur le duc d'Orc, si vous rencontrez Monsieur d'Aucuncourt, dites-lui de rejoindre le camp à Briat. Bien, monsieur le maréchal. Voilà ce qui s'appelle se faire hacher menu. Je ne comprends pas. Nous prenons Tours, Amboise, Blois, Jargeau. Et brusquement, dans ces petits étangs, c'est la déroute. Je ne le comprends pas. Nous nous sommes laissés surprendre, tout simplement. Condé est arrivé. C'est lui qui commande son armée. Comment êtes-vous si assuré que ce soit lui? Sire, à la façon dont M. d'Aucuncourt vient de se faire battre. Je reconnais la main parce que je reconnais les coups. C'est un désastre. C'est une défaite. Il ne nous reste donc que vos hommes et ceux qui restent d'Aucuncourt. Oui, sire.
4000 hommes et mes canons. Et monsieur le prince? Avec sa cavalerie, environ 12 000 hommes. 12 000? Mais c'est énorme. Nous sommes perdus. Sire, dans cette guerre, vous soumettez la révolte d'un de vos sujets. Il faut tenir tête et vous battre. Ici, à Blénaud, sur la chaussée. La cavalerie de Condé sera obligée de circirer. C'est ma foi vrai. Et vous la battrez de vos canons. Sire, monsieur de Turenne a raison. Il faut jouer le bateau. Madame, avec votre permission, nous allons nous battre. Ce soir, vous serez prisonnier de monsieur le prince et nous serons tous morts. Vous serez roi de France. Cela dépendra de ma cavalerie et de mes canons. Vous oubliez, messieurs, que je suis le roi. Vous êtes ambassadeur d'un prince rebelle que je viens de vaincre et qui est en fuite. Je vous tiens aussi bien pour rebelle, monsieur le duc de... Monsieur de Goulas. Monsieur de Chavigny. Il ne me plaît pas de vous entendre. Vous traiterez de vos affaires avec monsieur le cardinal. Et enfin, si, à se proscrit. Comment? Faut-il rappeler à monsieur de Chavigny que son proscrit est notre principal ministre? Monsieur de Mancini va vous conduire chez son oncle. Immédiatement, Paul, je vous en prie. Signor Léon, entrez. Monsieur le duc, je me disais bien. Prenez place. Je me disais qu'après Blénaud, cette petite victoire des Tempes, combien de morts déjà chez monsieur le prince? 1200. Je le sais, parce que monsieur de La Ferté vient de se joindre à nous avec une force d'un peu plus du double. Non. Le roi a tout son temps, voyez-vous. Nous connaissons bien la situation à Paris. Monsieur le prince s'y engouffrait avec tant d'ardeur que monsieur n'y a plus beaucoup de place. Le Parlement se partage, sauf pour craindre les émeutes qui détruisent tout. Monsieur le coadjuteur... Mon Dieu, qu'est-ce que je dis là? Monsieur le cardinal de Gondi de Retz ne sort pas de dessous son chapeau tout neuf. C'est bien normal. Non, je crois qu'en dehors de vous-même, quelques seigneurs égarés et bien sûr nos ennemis espagnols, monsieur le prince n'a d'appui que dans la canaille. Ceux qui pillent, ceux qui ont roué de coups, mon pauvre Colbert. Et puis il y a autre chose. La bourse de monsieur le prince est vide. Mon Dieu, j'oubliais. Laissez-moi vous témoigner par quelques présents. Voyons. Jamais ça. Je ne suis pas prêt de l'oublier. Maintenant, il faut s'accrocher à chacun des pas de Condé et mordre.
Condé est tombé dans le piège. Il a fait farce. Dans tout le faubourg Saint-Antoine, il a le dos collé au mur. Les Parisiens ne laisseront pas entrer. Dis-moi vite. Maintenant, les canons de Monsieur de Turenne arrivent. Toute l'armée de Monsieur le Prince est devant la porte de Saint-Antoine. Je crois qu'ils vont y mourir si les Parisiens n'ouvrent pas. On dit que la grande mademoiselle sur les remparts a fait tirer du canon contre le roi. Contre le roi. Seigneur mon Dieu, que Dieu lui pardonne. Dieu peut-être. Et moi. Et chez nous, le neveu de Monsieur le Cardinal, Paul Mancini. Il est mort, madame. Madame. Oh, madame. La grande demoiselle a fait ouvrir les portes. Monsieur le prince est en Paris. Parlez, Jean. Maintenant, monseigneur. Quand Dieu voit la peine des rois, la misère des hommes... Dieu n'est pas dans ces affaires-là. C'est quand elle nous mène là où est mon neveu que Dieu nous rejoint. Alors parlez. Sire, la mort ravage aussi Paris. Les ruffians de Monsieur le Prince ont incendié l'hôtel de ville. Ils ont massacré la garde bourgeoise et tué François Miron, le maître des comptes, qui l'a commandé. Le maréchal de l'hôpital est blessé. Il s'est formé un gouvernement de faux-semblants avec Monsieur pour lieutenant général de la couronne. Quand je suis major et roi. Condé généralissime. Beaufort gouverneur de Paris. Et le vieux Broussel prévôt des marchands. Tous commandent. Ces factieux vont se dévorer. Sire, c'est déjà fait. C'est du sang partout. Les canailles égorgent. Les gentilshommes s'enferment pour un sourcil levé. Monsieur de Beaufort vient de tuer en duel le duc de Nemours, son beau-frère. Ils étaient 8 à se battre. Une seule voix parle de raison. Celle du président Mollet. Avec une bonne moitié du Parlement, il a dit que tout allait périr sans le roi. Et qu'il s'échapperait de Paris pour Pontoise, comme Sa Majesté l'a ordonné. Les Parisiens sont là de la guerre, n'est-ce pas? Ce qui les retient de faire la paix et de chasser Monsieur le Prince, c'est que moi je sois là. Louis, nous tournons depuis un mois autour de cette ville qui n'a plus ni argent ni blé. La campagne n'est plus labourée depuis 3 ans. La moitié des maisons sont vides. Ne croyez-vous pas que nous pourrions nous éloigner, partir, je ne sais pas, vers Lyon? Un roi qui fuit perd sa couronne. C'est moi qui dois partir. Madame, il le faut. Sire, mon départ vous ouvrira Paris et vous ralliera tout le monde. Cette fois, je ne fuis pas. Je m'éloigne. Nous allons nous servir de mon départ pour négocier avec les Frondeurs. Je vais vous proposer une déclaration solennelle qui ne me molesterait pas trop. La charte de constitution. Déclaré le 22 octobre de l'année 1648, est annulé. Tous les arrêts pris par notre Parlement depuis, et y compris l'arrêt exilant notre principal ministre, le cardinal Mazarin, sont annulés. Le prince de Condé, le prince de Conti, la duchesse de Longueville sont déclarés coupables de lèse-majesté et leurs biens confisqués. Abolition spéciale et amnistie sont accordées à tout sujet qui en fera la demande, à l'exception toutefois des ducs de Beaufort, de La Rochefoucauld, de Rohan, du conseiller Broussel. Je
demande pourquoi le roi. Notre cher coadjuteur, le nouveau cardinal de Retz, est bien à l'abri dans son cloître. Il n'a garde d'en sortir, monseigneur. Il semble que la pourpre le bâillonne, celui-là. Ce silence me semble bien étrange. C'est le seul grand frondeur qui reste, n'est-ce pas? Je me demande pourquoi le roi ou la reine. Voilà les lettres. Insister auprès de Colbert sur cet inventaire de mes biens, on ne me dit rien. De loin, je m'y perds. Pourquoi ne revenez-vous pas à Paris, monseigneur? On vous y attend. Pas encore. Pas encore. Il faut donner du temps au temps. Il faut ensuite que le roi lui-même m'appelle. Je travaille à une grande lettre que le roi m'écrira, qu'on va imprimer et distribuer partout et publier en première page de la Gazette. Le royaume entier la lira. Vous avez voulu vous retirer d'auprès de moi pour satisfaire l'opinion de ceux qui avaient estimé que votre éloignement apaiserait les troubles de mon état, préférant ainsi l'intérêt de mon service à votre fortune particulière. Vous vous souvenez, il y a presque 2 ans, ici même, Pimentel, les offres de l'Espagne. Non. Non. J'ai une maladie de fidélité. C'est la moelle de mon corps. Il ne serait pas raisonnable que pour plaire à ceux qui se sont déclarés si ouvertement ennemis de leur patrie, je me privasse plus longtemps de vos bons conseils, de votre longue expérience dans la conduite des affaires, des grandes affaires. Au fond, j'ai l'air d'un Italien bavard. Je me demande si je ne suis pas un homme froid, patient. Si ce n'est pas la mécanique de l'esprit qui me sert de passion. Le repos et le cardinal de Retz sont incompatibles dans un même lieu. Monsieur le cardinal me précise ici que si Retz n'a pas encore fait son accommodement avec monsieur le prince et l'Espagne, il est sur le point de le faire. Ainsi, tout recommencerait. Monsieur de Jeure, le cardinal n'a-t-il rien ajouté de plus? Il m'a dit une phrase bizarre, sire. Pour que le renard prenne la poule d'eau, il faut qu'il la fasse sortir de la basse-cour. J'entends. Eh bien, messieurs, voilà qui est aussi clair que le seraient vos meilleurs conseils. Retz n'est-il pas curé de Saint-Germain? Si fait. Le Louvre fait partie de cette paroisse. À la Noël, je veux y entendre le prêche du cardinal de Retz. Mais d'abord, je veux m'en entretenir avec lui. Bien sûr, c'est cette maladie qui vous tenait enfermé dans votre cloître. L'éclat de votre peau ne méritait pas un séjour si retiré. Je suis heureux de vous accueillir. Sire, que votre majesté me permette de lui rendre grâce. Ne partez pas, monsieur le cardinal. Allons saluer ensemble madame ma mère, avant d'écouter votre messe. Pardon, le sujet de votre prêche. Sire, j'ai songé à une méditation sur l'élévation que doit avoir l'Église, qui seule a le droit de parler de leur devoir au roi. Voilà bien un sujet sévère et audacieux. Ne croyez-vous pas, monseigneur, que les rois entendent leur devoir en bas de leur peuple et en haut de Dieu? Monsieur le cardinal sait que les rois pourraient être parfois faibles ou insouciants, ainsi que leurs sujets d'ailleurs. Mais ne soyons pas austères. Regardez-moi, monsieur le cardinal,
J'aime la comédie. J'aime la danse. Je ne songe, à cette heure, qu'au ballet des bienvenus que j'ai dans la tête. Un jeune prince étourdi aimerait se reposer sur des sujets fidèles. Dansent ensemble. Voyez-vous? On ne voit pas que, peu à peu, chacun le quitte. Il danse. Quand il a fait le dernier rond de jambe, il hésite. Il s'aperçoit que, qu'il n'a plus de vis-à-vis. Surtout, qu'il n'y a plus personne sur le théâtre. Monsieur le cardinal, au nom du roi, j'ai ordre de vous arrêter. Sire, je disais à Sa Majesté la Reine que vous avez l'âme la plus candide et la plus sincère qui soit dans tout votre état. Vous ne voyez pas que le cardinal de Retz ne vous est pas fidèle. Mon père, je viens de faire arrêter Sire le cardinal de Retz. Il sera ce soir à Vincennes. Louis. Ah, Louis, vous avez osé. Voilà le repos désormais possible. Je le crois, madame. Oui. Notre cardinal va peut-être entendre cette fois mes prières. Si vous le demandez, vous aussi. Je lui écris, maman. Votre trône a besoin d'un conseiller qui nous aime. J'ai besoin de lui. Conti! Rebelles en fuite! Beaufort! Rebelles en fuite! Namur! Mort! Monsieur! En exil à Limoux! Mademoiselle! Au diable! À Saint-Fargeau! Retz! Frondeur en prison! Condé! Traître! Au service de l'Espagne! Le cardinal Mazarin. Mazarin. Cardinal Mazarin. Mazarin. Thank you.
Dans un instant, je recevrai Christian Jouhaud et... Majesté la reine, que vous avez l'âme la plus candide et la plus sincère qui soit dans tout votre état. Vous ne voyez pas que le cardinal de Retz ne vous est pas fidèle. Mon père, je viens de faire arrêter sire le cardinal de Retz. Il sera ce soir à Vincennes. Louis. Ah, Louis, vous avez osé. Voilà le repos désormais possible. Je le crois, madame. Oui. Notre cardinal va peut-être entendre cette fois mes prières. Si vous le demandez, vous aussi. Je lui ai écrit, maman. Votre trône a besoin d'un conseiller qui nous aime. J'ai besoin de lui. Conti ! Rebelles en fuite ! Beaufort ! Rebelles en fuite ! Namur ! Mort ! Monsieur ! En exil à Limoux ! Mademoiselle ! Au diable ! À Saint-Fargeau ! Retz ! Frondeur en prison ! Condé, prêtre au service de l'Espagne. Le cardinal Mazarin. Mazarin. Cardinal Mazarin. Mazarin. Votre conseil, Lyonne. Un message qui laisserait présager quelque pardon. Excellente nouvelle de Guyenne. Le prince de Conti et Madame de Longueville n'ont déchaîné que des miséreux qui tuent les gens et coupent les vignes. Monsieur de Conti est très seul et je pense le moment venu pour votre majesté d'être clémente. Conti m'a si souvent appelé gredin qu'il serait plaisant de l'accabler sous l'indulgence. Mais cela suffit-il? La Fronde est une révolte et une révolte impardonnable. J'hésiterais sur un pardonnable. Elle me semble plutôt méprisable. Car il ne songeait qu'à prendre ou paraître prendre la gloire, le pouvoir, l'argent. Nous aurions pu faire tomber beaucoup de têtes. Et j'imagine que feu le cardinal de Richelieu, qui avait la hache un peu vive, ne s'en serait pas privé. Nous avons choisi d'endurer, de composer quand nous étions faibles. Et quand la chance tournait, de punir à notre façon. Utiliser. Humilier. Pardonnez. Il n'y a pas une seule goutte de sang sur votre couronne. Mais je n'ai plus confiance. Ni dans mon parlement, ni dans ma noblesse, ni dans mon peuple. Je n'ai plus confiance en personne. Alors, sire, vous serez un grand roi.
J'ai rencontré les quatre filles. Les nouvelles? Brian aussi les a vues. Il dit qu'il y a deux petites noiraudes, une très belle et une encore plus belle. Oh, et une encore plus belle. Une encore plus belle. Est-ce qu'elle a des seins plus beaux que la fille du jardinier de Saint-Germain? Sans du Christ, mon maître, parions-nous à qui des deux se risque? Ne jure pas, Vivonne, je tiens de Paris. Elle a des seins admirables. Voilà le grand turc. Sa Majesté pourrait peut-être réviser la liste des rois de l'histoire de France. Fort bien. Peut-être pourrais-je répondre en tirant l'épée. Je commence à mon saint patron, Louis IX, qui le saint. Philippe II, le Hardy. Philippe IV, le Bel. Louis X, le Hutin. Louis XIIIe, le Juste. Et moi. Que dira-t-on de vous, mon maître? Je veux qu'on m'appelle le Grand, parce que je ferai une grande chose. Tu es mort, Yvonne. Tu vois, je sais encore la liste. Du bois. Et moi, est-ce que j'ai encore perdu mon pari? Sire, est-ce que vous allez coucher avec Olympe? Oh, on se donne des petits heures de pucelle pour fondue. C'est une oie. Elle m'agace. Tu as gagné ton pari, cette Olympe-là est une montagne froide. Je n'y suis pas encore monté. Et la petite blonde? Ah! La petite Lamotte? Je suis fou de cette fille. Et je t'en dis trop! Alors si on a trop dit, elle est folle de vous! Mettez-vous de sa mère! Elle étale déjà une victoire! Une victoire! Si seulement j'avais pu la prendre! Ne me raccompagnez pas plus avant, je vous prie. Vous êtes plus nécessaire aux cheveux de Madame de Mancini. De me cacher lorsque vous arrivez. Je me suis cachée pour vous attendre. J'ai besoin de vous. La maladie de madame votre mère doit vous être bien pénible. Il faut bien que j'ose vous dire, sire, que j'éprouve pour ma mère une espèce de pitié. Mais pas d'amour. Je suis peut-être un monstre, mais ce monstre a au moins l'excuse que personne ne l'a jamais aimé. Personne. Peut-être la cour vous trouve-t-elle encore trop jeune, Marie, pour que quelques cœurs... Mais sire, il ne s'agit pas de la cour. Il s'agit de la douceur. Chaque matin, ma mère me supplie, m'ordonne de promettre que j'entrerai en religion. Elle veut que sa guérison soit au prix de ma mort en ce monde. Mais y avez-vous de l'inclination? Moi? Mais plutôt m'enfuir, mais plutôt me perdre. Je ne céderai jamais, jamais, ni à ma mère, ni au cardinal, à personne, jamais. Oh, sire, aidez-moi. On ne vous forcera pas, Marie. J'y veillerai. C'est mon salut. Vous êtes mon salut, vous êtes mon roi, vous êtes tout. Moi, Marie? Hélas, je sais trop bien que pour l'heure... Oh, mais vous ne savez pas mieux que mes astres. Vous serez le plus grand roi du monde. Il y a du feu sur vous, du feu. Moins que dans vos yeux. Votre instinct de sincérité. Qu'est-ce que vous lisez là? C'est Dante. Je n'attendais plus de grandeur. Elle est seulement dans les mots. Il y en a finalement davantage dans la sécheresse de Tacite. Ne trouvez-vous pas? Peut-être bien, en effet. Marie, ne promettez jamais l'entrée au couvent. Ce serait un sacrilège. Vous êtes une enfant si vraie, si vivante. Dieu, cette pierre,
Regarde, Olympe. Moi, c'est l'émeraude qui me va le mieux. Ce qui convient le mieux à Olympe est à Marie. Et son bon oncle lui en a trouvé un. Qui? Oh, vive, vive, qui? Je le dirai à l'oreille de Marianne. Oh. Eugène de Savoie? Un prince? Et Marie, alors? Bon, Marie est trop maigre pour se marier. Seigneur Dieu! Olympe boude! Mais quelle ingratitude! Je m'échine, je me ruine, je me tue pour ma famille et voilà la mine qu'on me fait! Vous serez comtesse de Soissons. Vous aurez un hôtel splendide. Un mari charmant. Moins charmant que le roi. Assez de ricanement, Marie. Je vous en prie. Vous, vous le savez bien, votre horoscope est un océan de catastrophes. Partout des catastrophes. À chaque instant des catastrophes. Sa Majesté la Reine va se faire annoncer, monseigneur. Mon Dieu, allez, allez, partez vite! Une dragée, une dragée. Oh là, laissez ce livre. Ne regardez pas les dessins. Marie, cessez de pouffer. Mon Dieu, cette famille, quelle misère. Quel rocher à porter. Vous trouvez un homme accablé sous le poids de ses nièces. Et c'est une mère indécise qui vient vous voir. Je n'ai rien pu vous dire à mon cercle. Dans cette foule, je suis exilée. Ma reine serait-elle si seule? Vous savez bien que non. C'est le roi qui me préoccupe. Il doit voir cette petite Lamotte en secret. Je crains que son inclination soit coupable. Disons qu'elle n'est plus innocente. Il va falloir mettre cet enfant au couvent. Cette jeune beauté, vous êtes impitoyable. Non, prudente. Oh, je ne sais comment faire. Je voudrais que le roi ait son bon temps sans trop de péché et qu'il se marie pourtant sagement, puisque... le mariage est un sacrement. Hélas. Mais qui? À quelle princesse marier la France? Dis-moi, qui chante si joliment, Marianne? C'est Marie, madame. Il n'y a qu'une princesse qu'on puisse marier à la France. Vous savez bien que c'est impossible. La guerre interdit qu'on songe à l'infante d'Espagne. Interdit? Elle le commande, au contraire. La guerre finit dans le lit des rois. Dios mio. Espagne. Yo tan bien fui joven e infanta. Aucune joie ne me serait plus grande. Je vous la donnerai, ma reine. Lyon est déjà parti secrètement pour le sud. Et j'ai fait approcher le secrétaire d'État Pimentel. Je vous donnerai l'infante et la paix. Vous me donnez déjà l'espoir. Quoi qu'il arrive, Anne est à vous jusqu'au dernier soupir. Parfois, je suis lasse d'être reine. Je voudrais qu'il fût toujours nuit. Madame de Fenel ne m'a pas entendu. Je vous rapporte cette étrange clé. C'est un peu fade pour vous, n'est-ce pas? Sire, il vous faut des situations plus fortes. Sénèque. Vous devez aimer Sénèque. Oh, Marie, vous me faites honte. Vous savez tout. Et je ne sais rien. Rien? Mais vous savez l'italien, l'espagnol. Vous savez danser. Vous savez le latin, l'histoire. Bien peu de latin et d'histoire. Marie, je pars pour les Flandres. À la guerre? Alors je ne vous verrai plus. Ici, Marie, la cour me suit. Et vous venez. Et Madame de Venelle aussi, hélas. Ah, que je suis contente d'aller avec vous à la guerre. Ah, sire, quelle chose grande et terrible. Je serai brave.
invincible. Vous serez un roi héroïque. Maintenant, je comprends ce que dit Monsieur de Bergerac avec sa lune et ses marées. Je crois que nous avons ensablé Madame de Venelle à tout jamais. Et qu'elle ne retrouvera pas mon chapeau. Venez là, sire. Sur votre terre conquise. Sur vos dunes de victoire. Calais tenu, Dunkerque prise, Furnes et Dixmude. Je croyais à la colonne d'un Trajan du Nord. C'est tout maussade. Je ne sais pas. J'ai froid. Je trouve tout gris. Oh, je sais bien que les lendemains de victoire sont souvent tristes. Dieu, quelle odeur! On s'est donc battu là aussi? Sur la plage, oui. Marie, les lendemains sont tristes. Et je gâche notre dernier jour. Oh non. C'est combien qui gâchera tout? J'y serai dans 8 jours. Avec la reine et la cour. Je n'aime pas Compiègne. Je n'aime rien, vous n'êtes pas. Je préfère la mer. Je préfère... la vie quand vous êtes là. Sire, vous n'êtes pas bien. Ce n'est rien. Juste... juste une grande douleur de tête. Et une espèce de grande lassitude. Mais vous avez de la fièvre? Mon Dieu, mais vite, il faut rentrer. Vous me manquerez, Marie. Donnez-moi cette amitié grelottante. Je ne suis guère triomphant. Venez. Vite, il faut vous coucher. Le soleil, maman. Le soleil, maman. Le soleil. Le soleil, maman. Le chapeau. Les larmes. Le soleil. Marie. C'est rapide. Il faut partir, maman. C'est quoi? C'est une fièvre du poumon. Du poumon? Oui. J'avais songé à une infection de la bile. On voit nettement la décomposition du sang, mon cher collègue. Je crains que vous n'ayez négligé le risque d'une complication d'entraille. Au vésicatoire, parfaitement, des vésicatoires. David attendre, puis de saigner. Des vésicatoires, mais non, une saignée. Je suis formel, une virge. Je tiens qu'il faut une virge. Et là, dit-on, le premier, parlant du poumon d'Hippolyte. Mais non, il s'agit du poumon. Monsieur, je ne doute pas de conscience. Mais vos Grecs me paraissent mal accordés. En vérité, vous me faites peur. Le roi ne recevra aucun remède. Entendez-vous, messieurs, aucun remède qui n'ait votre accord unanime. Allez sauver des médecins. Rassurez-vous, il est très fort. Il faut qu'il guérisse. Ah, Turenne. Comment réagit la cour? L'opinion générale est que le roi va... mourir? Leur plan est simple. Vous arrêtez, confisquez vos biens, m'exilez, faites revenir Retz à votre place et Condé à la mienne. J'ai ordonné à l'hôtelier de renforcer la garde du Louvre et de mettre la garnison de la Bastille sur pied. Prévenez Colbert de faire de même pour Vincennes. Oui, c'est fait. C'est ici.
toutes ces années, toutes ces douleurs de tant de gens pour le porter plus loin, toujours plus loin. Et maintenant, ce lit. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Aussi bien la vie et la mort à ce point se jouent au dé, c'est Dieu qui décide. J'ai fait venir votre petit médecin d'Abbeville. Je l'ai vu en entrant. Monsieur Duchossois. Monsieur est praticien de l'école d'Arras, sans doute. Oui, monsieur le professeur. Monsieur est une sommité provinciale, mais qui ne s'est pas encore distingué par de grandes guérisons. Quelle thérapeutique, monsieur, compte-t-il employer? Je voudrais d'abord voir le malade. Il n'y a pas de malade, monsieur. Il y a le roi. Mais il se trouve, hélas, que le roi est malade. Venez, monsieur Duchossois. Qu'a-t-on fait jusqu'ici à Sa Majesté? Une purge, deux saignées et des vésicatoires. Que le roi a perdu son chapeau dans les dunes. Je crois qu'il s'agit d'une insolation. Une insolation? Que recommandez-vous? Eh bien, j'ai là un remède assez nouveau que je fabrique. Du vin d'émétique. D'émétique? Des vésicatoires? Il faut des vésicatoires. Votre vin, tout de suite. J'ai fait rompre vos pourparlers avec Madrid. J'ai retardé votre alliance avec Cromwell. Est-ce que ce ne sont pas des coups mortes? Marie, Marie, il faut partir. Je vous ai battu. Je vous ai battu à Valenciennes. Je vous ai battu à Hesdin. Avec les Espagnols, je vous ai fait prisonnier, deux maréchaux. J'ai fait rompre vos pourparlers avec Madrid. J'ai retardé votre alliance avec Cromwell. Est-ce que ce ne sont pas des coups mortes? Eh bien, je vis. Je sais. Pour le moment. C'est une fièvre du coup. Je crains que vous n'ayez vu la décomposition de la bille. Est-ce que vous comptez entrer dans ce fort? Par là? Sur cet angle où le fossé s'est ensablé? Exactement. C'est ce petit lieutenant du général Faber qui s'en occupe. Vauban? Exactement. Il se porte garant d'ouvrir la muraille. Mais non, il s'agit d'Hippocrate de... Je prendrai ce fort
barbe. Je prendrai Mardix sous votre nez. Et Calais, et les dunes, et Dunkerque. Victoire, sire. Victoire. Marie. M'aimez-vous assez pour que ce soit la réalité des choses? De toute mon âme. Alors, je m'engage à vous. Sire, vous êtes mon maître. Je crois que je voudrais ne plus vous quitter. Jamais. L'amour de moi y est enclose. Monsieur le cardinal, je suis ici en tant qu'ambassadeur de Sa Majesté Philippe IV. Qu'il est donc plus agréable de vous recevoir ici qu'à Bouillon, monsieur l'ambassadeur. Vous vous souvenez, il y a... Mais ça fait 7 ans déjà, je crois bien. Votre éminence me fait une grâce en me rappelant. Je n'oublierai jamais que dans les temps difficiles, les seuls à m'accueillir noblement furent mes ennemis. Mais nous arrivons bientôt au temps où je suis bien prêt de ne plus être votre ennemi. Sa Majesté Philippe IV souhaite la paix. La paix a bien des visages. Je sais bien, place forte, porte de ville, terre, alliance. Espérance, force qui s'équilibre, personne qui se rapproche. Comment se porte Sa Majesté la Reine d'Espagne et l'infante Maria Teresa? À merveille, avec l'aide de Dieu. L'infante est une personne fort noble. J'y disais au prince de Condé... Ah, ne me parlez pas de ce traître. Vous me donneriez l'Artois et le Hainaut tout ensemble, que je refuserais le pardon. L'Artois et le Hainaut, mais... Disons Thionville, Gravelines, Landrecy. Je vous apporte la nouvelle que vous attendiez le moins. C'est donc l'infante. Ma reine, vous l'avez dit, c'est l'infante, elle est à vous. Et savez-vous qui vous l'apporte? J'attendais un de ces personnages qui ne sont rien, un moine, un colporteur, un astrologue. C'est un ministre, c'est Don Antonio Pimentel. Il a si vite quitté Madrid qu'il est sans passeport. Et savez-vous ce que me dit l'espion qui le suivait? Oh, que je suis contente. Sa Majesté d'Espagne, votre frère, quasi muet, quand il a su le projet de mariage avec la princesse de Savoie, le voilà qui frappe du poing sur une table et qui s'écrie « Esto no puede ser, esto no será !» Que Dieu soit béni. Dieu est son cardinal. Mais qu'allons-nous faire à Lyon? Comment arrêter cette aventure? Allons à Lyon, laissez-moi négocier. La princesse de Savoie aime les cadeaux, j'arrangerai ça doucement. Quand verrai-je Dom Pimentel? Dom Pimentel et l'infant. C'est un secret absolu. Absolu. Nous sommes seuls au monde. Et béni soit la princesse de Savoie qui nous a donné ce voyage. Où couchons-nous ce soir? Je ne sais pas.
Entre Avallon et Auxerre. Mais le plus loin possible de votre princesse. Ne plaisantez pas cette jeune fille, Emma. Si je devenais amoureux d'elle. Rejoignez-la. Et faites-moi souffrir mille morts. Chaque autre princesse, je tremblerai. Peut-être vous perdrai-je un jour. Bien que ma vraie princesse. C'est vous. Peut-être vous perdrai-je parce que vous êtes roi d'un royaume de la terre. Mais à cette minute, je ne sais pas s'il m'importe d'avoir un royaume de la terre. Mais mon vrai royaume. Que votre majesté m'autorise à lui présenter Don Antonio de Pimentel, secrétaire d'État, ambassadeur extraordinaire de sa majesté Philippe IV d'Espagne, accompagné de Don Nicolas Aitor de Iorgoitis. Voilà une heureuse visite, monsieur l'ambassadeur. Sa majesté, mon frère, est restée bien longtemps et bien durement éloignée de nous. Je vous sais gré de votre venue. Une venue qui rapproche en même temps l'Espagne, madame. Dieu fasse qu'elle rapproche aussi la paix. Que votre majesté m'autorise à lui présenter son excellence, l'ambassadeur Pimentel. Je vous recevrai, monsieur.
Sire, mais je ne vous attendais pas si tôt. Vous êtes allé à la campagne? Viens, Meudon. J'admirais cet antique tardif, c'est Julia Mamaea, l'impératrice. Mon cousin, j'ai cherché un moyen. Vous êtes bien solennel aujourd'hui. Je souhaite récompenser de façon éclatante les services que j'ai reçus de vous. Le meilleur moyen est de m'unir en mariage à votre nièce Marie. Je vous la demande. Savez-vous qui était Julia Mamaea? La tante de cet empereur Héliogabale qui, à Rome, se croyait le soleil vivant. Il a fait élever un temple à la lune. La seule déesse qu'il jugea digne d'être son épouse, la plus parfaite, disait-il, parce qu'elle était divine. Pour vous, sire, qui tenez aussi votre pouvoir de Dieu, il est bien difficile que votre épouse n'est pas quelque chose de divin. Sa Majesté la Reine ne saurait être en dehors de si graves projets. Votre avenir est de faire l'avenir du roi, c'est-à-dire de lui faire épouser l'infante. Dans 5 ans, le roi ne pardonnerait pas à celui qui l'aurait rabaissé par un autre mariage. Mais le roi est le maître! Mais je suis maître de vous! J'ai sur vous, puissance paternelle! Nous n'habitons pas le même univers! Je n'aime que l'exigence! Vous n'aimez que les marchandages! Les calculs! Les espions, les secrets! Le pouvoir! Quand je serai reine! Mais vous n'êtes pas reine! Et si vous l'étiez, vous seriez mauvaise conseillère! Rêveuse, pédante, irréaliste! Vous êtes une héroïne de brume! Sans conscience de ce qui mène le monde! Vous êtes une frondeuse! Vous partirez pour Brouage, et vous y resterez. Non! Si! Non! C'est un abaissement! C'est pire, une lâcheté! Un tel mariage, c'est une guerre civile! Et cette fois, écoutez-moi. Cette fois, je serai du côté de la révolte. Je prendrai! Mais écoutez-moi donc! Je viens de signifier son exil à Marie. Elle part demain pour Brouage. Elle disparaît. Dieu merci, au moins vous ai-je avec moi. Madame, sans doute connaissez-vous mes intentions. Je ne les sais que trop. Partagez-vous l'avis que monsieur le cardinal vient de dire à Marie? Laissez-nous, je vous prie. Monsieur, je partage l'avis que tout ceci est une lâcheté. Votre mari est une petite rêveuse. Quant à vous, vous voilà trompé par un emportement enfantin, insultant délibérément votre mère, votre royaume, et par-dessus le marché l'Espagne, et ranimant la guerre et la fronde par une mésalliance sans exemple. Je vous en supplie, maman. Louis, c'est une chimère. Mon petit, écoutez-moi. Je sais bien que tout attachement vif et élevé porte vers le mariage. En dehors, hélas, tout est péché. Croyez-moi, je le sais. Louis. Les hommes peuvent, sans crime, avoir des sentiments tendres pour les femmes. Mariage ou non.
Moi, c'est au roi que je parle. L'armistice est signé. La guerre est enfin réduite. Votre pays est en ruine. La moisson a été mauvaise. Les paysans se révoltent en Sologne et en Vendée parce qu'ils ont faim. On jette les commis d'impôts dans les fours à chaud. La prévôté doit partout apaiser les troubles à coups de potence. Les parlements renâclent en province. Et Fouquet est si au bout de son or qu'il songe à trahir. Toute cette fragilité tient encore sur le fil qui nous attache à l'Espagne et que j'ai supplié le ciel de tisser. Je dois partir ce mois pour Bayonne. Si vous persistiez dans vos rêveries si contraires à votre destin, je préférerais poignarder ma nièce plutôt que de l'élever par une si grande trahison. Vous la chassez déjà. Un sentiment fort doit subir l'épreuve de l'absence, vous savez bien. Cette séparation est nécessaire, Louis. Vous y prendrez mieux la mesure de votre attachement. Et nous avec. Au moins, je veux pouvoir lui écrire. Vous donnerez de vos nouvelles, elle des siennes. Au moins, s'il faut se séparer quelques jours, je veux la voir après. Cela pourra se faire quand vous descendrez avec la cour vers Bayonne. Mais à ce moment, tout sera joué. C'est l'infante. Si vous préférez, je renonce à mon voyage, aux négociations, à ma charge de ministre. Vous gouvernez seul. Moi, je prends la route d'Italie où je m'enterre avec toutes mes nièces. De cette paix. Et pour parler, on a déjà tourné court 4 ou 5 fois. C'est vrai. Dans 1 ou 2 semaines, j'irai vous voir à Brouage. Et cette fois, je te prendrai. Tu seras à moi. Tu seras ma femme, Marie. Je suis déjà comme si j'étais votre femme. Il y a de ma faute dans tout cela, Marie. Je vous croyais petite fille. Demain, je prends moi aussi la route. Notre famille n'est pas faite pour le repos, ni le calme. Chaque jour, Marie. Dans quelques semaines. Vous aviez dit 1 ou 2. 1 ou 2. C'est promis. Cela ne serait pas possible. Sire. Vous êtes roi. Vous pleurez. Et je pars.
cardinal donnerait cher pour avoir copie de ses lettres. Ne voudrais-je que ce ne serait pas possible. Le paquet ne quitte pas son corsage. Elle dort avec. Et sais-tu ce que lui écrit notre bon oncle le cardinal? Si vous ne vous résolvez pas tout de bon à changer de conduite, votre mal empirera de plus en plus. Mais ce mal est le plus cher et le plus doux qu'il puisse. Ah non, il ne changera pas de conduite. C'est difficile de tout se dire comme ça par lettre, en imaginant les visages. Et pourtant, ces lettres, dans l'exil, c'est l'eau pour qui enrage de soif. Faut avoir Thionville, Montmédy, essayer d'arracher Avesnes. Pimentel et Don Luis céderont sur l'Artois, mais pour empocher le Hainaut et Avesnes, on ne plumera pas la poule sans la faire crier. Je vais jouer l'intraitable comme d'habitude. Je demanderai tout afin que vous puissiez feindre de lâcher ici ou là. Quand je pense que le sort des places, des provinces, des armées, le destin de l'Europe se joue contre les roucoulades de cette petite pédante et de cet entêté, je lui ai écrit que Dieu a établi les rois pour veiller au bien et au repos de leurs sujets, et pas pour sacrifier tout ça à leur passion particulière. Je l'ai conjuré de faire force sur lui et d'entreprendre ce voyage de Bayonne sans trop de chagrin. Comment le prend-il? Mal! Tout ça lui donne une espèce de fièvre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Lyon? Moi, je vais lui dire. Je ne peux plus. Maintenant, c'est à lui. À lui de décider s'il faut pousser ce mariage ou le rompre. Moi, je ne peux pas avancer sans lui. Je ne peux pas! Il faudrait avoir aussi Gravelines et Landrecy. Et Avesnes. C'était cervelé d'abord. Puis à la reine. Et au roi, encore une fois. Ce voyage. Tout risque de basculer, ils vont se revoir. Vaincre le cardinal, peut-être même la reine. S'il vient à La Rochelle, oh, je suis heureuse. Heureuse. Puis j'ai peur. Mais enfin, sultan, serais-je reine un jour? Tu dois pouvoir répondre à ça. Mais il est dit que tu rencontreras le roi. Le reste appartient aux étoiles. Non, j'ai gagné l'assaut, mais j'ai perdu tout le reste.
Pour Votre Majesté le permet, nous pourrions reprendre notre méditation sur les devoirs des rois avec un passage de ce philosophe sceptique, Montaigne. Le plus âpre et difficile métier du monde, c'est de faire dignement roi. J'excuse plus de leur faute. Je sais, mon père. L'un des devoirs des rois est de ne pas méconnaître que Dieu a aussi voulu qu'ils fussent des hommes. Assez de l'or ! Je t'en prie, laisse-moi. Dehors! Sire, qu'avez-vous, mon maître? Je crois que j'ai perdu Marie vivante. J'ai laissé les choses se mettre en place. Je rêvais. Je rêvais. Je n'ai pas voulu croire que cette affaire d'Espagne allait exister. Le cardinal m'a mis comme devant une bataille où j'ai oublié de combattre. Et vous êtes pris maintenant, n'est-ce pas? Je suis battu, Yvonne. Battu. Ils croient tous que cette paix sera ma victoire. Et j'aurai tout perdu. Oh, j'enrage contre ce tuteur extravagant qui traîne avec lui le sort du royaume. Thank you.
Le dernier épisode de Mazarin, la série télévisuelle de Pierre Cardinal avec François Perrier, va nous montrer les efforts que fait Mazarin pour dissuader sa nièce, Marie Mancini, de vouloir épouser à tout prix le jeune Louis XIV. D'ailleurs, c'est trop tard. Même s'il avait assez de courage pour arrêter tout ce qui est lancé, il ne me le pardonnerait pas. Plus tard. Peut-être. Peut-être a-t-il pu penser, comme sa mère, que je deviendrais une favorite docile. Capable de partager, de céder, de feindre. Non, non, Hortense. Je lui ai montré que j'ai assez d'exigence pour renoncer. C'est moi qui vais le refuser. Moi. J'ai décidé de me marier, madame. Avec l'infante d'Espagne. Louis. Regardez-moi, Louis. Ce serait une grande joie que vous me feriez si vous ne le disiez pas seulement des lèvres. Il suffit que je le dise. Non. Où en êtes-vous avec Marie? On dit mademoiselle de Mancini entourée de soupirants. On dit même que le prince Colonna a demandé en mariage. En tous les cas, elle vient de m'écrire pour la dernière fois. Elle a rompu? Écoutez-moi, j'estime beaucoup Marie pour ce qu'elle vient de faire. Elle a une âme très haute, très roide. Presque trop. Mais en vérité, malgré votre cœur qui vient de brûler si vite et si fort, c'est vous qui l'aviez quitté. Et elle l'a senti. Vous savez, Louis, je crois que tous ceux qui approchent le pouvoir de gouverner éprouvent une passion dominante, celle de leur grandeur, de leur gloire. Une passion qui mange les autres.
Je les ai tous vus ainsi. Le roi, votre père, Richelieu. Maintenant, le cardinal. Bientôt, vous. Vous présentez ce qu'exige de vous le royaume que vous avez en charge. C'est ça qui va devenir votre amour. Ça l'est déjà, puisque j'accepte. Je viens de signer le traité, le contrat, je viens de brûler les lettres. Maman, je ne me consolerai jamais de Marie. Attendez l'infante. Que tout est décidé depuis l'été dernier. Et chaque semaine, depuis 8 mois, cet Espagnol revient discuter le tracé des frontières. Il me tuera. Il mettra plus de temps encore à oublier notre moyennant. D'ailleurs, monseigneur, vous avez gagné. Sa Majesté Philippe IV est à Fontarabie. Bon, dites-moi vite, Condé. Il a tenu sa promesse. Il s'est enterré à Chantilly. Il prendra bien garde de ne pas venir. Voilà un prince auquel le cardinal de Richelieu n'aurait pas laissé la tête aux épaules. C'est qu'il m'intrigue davantage vivant que mort. Je crois que mon vice, ce n'est pas la vengeance. C'est la curiosité. La date sera bien respectée. Pour le mariage, assurément. Le 9 juin, dans 10 jours, ici même, à Saint-Jean-de-Luz. Sa Majesté, la Reine. J'étais inquiète de votre fatigue. Pardonnez à un malade de ne pas se lever pour vous accueillir. Comment vous sentez-vous? Très mal. Voyez en quel état sont les jambes qui ont donné le repos à la France. Mon Dieu. Ne pleurez pas, il n'est plus temps. La partie est gagnée. Dans 4 jours, vous rencontrerez votre frère Philippe IV. Et dans 10, notre roi sera marié. Quand je songe à tout ce qu'il a fallu affronter pour le mener là, ah, que je remercie Dieu. Et vous? J'étais dans cette chambre quand je vous écrivais l'an dernier. J'étais au désespoir. Pensez-vous que le roi est vraiment oublié? Je crois bien qu'on trouverait la blessure vive si on la grattait. Parlons net. S'il veut coucher avec Marie, il en aura le loisir. Non, non, n'allez pas faire de morale. En tout cas, il aura d'abord dans son lit notre enfant. Mais l'infante ne saura rien du commerce d'amour. Soyez tranquille. C'est une leçon que les hommes aiment enseigner. Et les femmes apprendre. En tout cas, une chose est certaine. Moi vivante, jamais la nuit de noces n'aura lieu en public. Jamais. Je l'interdis. Je romprai peut-être une règle séculaire, mais j'en ai trop éprouvé moi-même la cruauté. La nuit est leur affaire, en effet. Occupons-nous des jours. Ceux qui viennent sont éclatants. Vous avez laissé votre vie et vous m'avez délaissé, moi, pour les préparer.
Pourrez-vous marcher dans 4 jours? Moi? Je préférerais m'y traîner à genoux. Me pardonne. C'est maintenant. Un étranger de sang royal supplie votre majesté qu'il lui plaise de lui accorder audience. Ahora me parece imposible. De cet étranger. No es tiempo de decirlo. Ma sœur, que vous semble cette porte? Cette porte me paraît très belle et très bonne. À nous, Don Luis, de refermer pour toujours le temple de la guerre. Estará sola con su marido. Je vous le promets, ma fille. Vous serez seule. Le roi souhaite maintenant se coucher. Es muy temprano. Oh,
J'espère que l'étape ne sera pas trop pénible. Pas du tout. Ce n'est qu'à songer au triomphe qui vous attend à Paris. Nous serons ce soir à Sainte. Chez moi. Je suis gouverneur d'Onis et de Saint-Ange. Eh bien, monsieur le gouverneur, je compte inspecter une de vos places. Mon port de La Rochelle. Mon devoir et mon plaisir seront de vous y suivre. Point du tout. Je souhaite que vous puissiez accompagner la reine et madame ma mère demain à Saint-Jean-d'Angély. Je visiterai La Rochelle seul. Mon escorte sera Philippe, Vivonne et Brienne. Vous avez entendu ce ton brusquement? Que se passe-t-il? La Rochelle, c'était Brouage, bien sûr. Brouage est vide depuis 10 mois. Et tout semble aller très bien avec la petite. Elle a battu des mains encore ce matin. Oui, elle fait ça quand le roi couche avec elle, c'est innocente. Enfin, bravo ou pas, nous la tenons, notre petite espagnole. Je crains que Marie soit restée puissante, vous savez. Il faut jouer sur l'orgueil du roi, le persuader que Marie est meilleure. Je ne sais pas, moi, par exemple, le beau Charles de Lorraine. Faire traîner le bruit que Marie ne le quitte pas. Ça s'appelle du mensonge. Ça s'appelle de la précaution. Tant pis, je prends le péché. Je comprends ce que dit Monsieur de Bergerac, avec sa lune et ses marées. Je crois que nous avons ensablé Madame de Venelle à tout jamais, et qu'elle ne retrouvera pas mon chapeau. Dominante, celle de leur grandeur et de leur gloire, qui étouffe en eux toutes les autres. Messieurs les secrétaires d'État, je vous ai fait assembler pour vous dire qu'il est temps que je gouverne mes affaires. Recevoir vos conseils quand je vous les demanderai. Marie.
grave de oublier ça. Ils auraient aussi bien mis le roi en Bastille. Il me branchait en effigie. Il crachait mon nom comme un mot puant. Qu'est-ce que vous disiez alors, monsieur le cardinal? Le temps et moi, c'est ça? C'est ça. Les hommes de guerre montrent leur victoire avec des murailles, des drapeaux, des canons, comme vous faites. Moi, ma victoire, c'est ça. De savoir ce qu'il en est. Monseigneur, il faudra peut-être céder. Préparez-vous au passage, Monseigneur. Il faudra céder à cette maladie. Vous allez en mourir. Qu'est-ce qui me reste? 2 mois au moins. C'est difficile d'être votre médecin. Adieu, Guénaud. Je suis votre obligé autant que peut-être un ami. Avec la France. Le hasard, le jeu, toute cette grande affaire, vous savez ça. Mais j'ai épousé aussi cette jeune femme et ce jeune homme. Et celle-là aussi, qui est si belle. Tout ça. Guénaud l'a dit. Il le faut. Je ne le verrai plus là où je vais. Colbert, nous allons nous mettre au testament. Il faut supplier le roi de tout accepter. Tout. Tout vient de lui, tout. Il refusera. Le roi ne peut rien accepter, même de son premier sujet. Le roi ne peut recevoir que des royaumes. Nous verrons bien. S'il refuse, nous ferons comme nous avons dit.
Écoutez-moi. Quand j'aurai haussé cette famille, qui m'a pourtant bien peu aimé, à part la petite Hortense, peut-être. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Après, il restera beaucoup, n'est-ce pas? Beaucoup? Une somme énorme. Au moins 15 millions de livres. N'en parlons à personne. Vous direz en secret au roi que j'ai oublié ça. Et vous le lui donnerez. Les premières années seront plus faciles. Colbert, dites-lui à lui seul. Rien ne pourra vous lier davantage à lui. J'ai soif. J'ai connu le temps où ces étoiles se mettaient en poche quand on devait prendre la poudre d'escampette. Ceux-là seront à la couronne. On les appellera les Mazarins. Et le grand Sancy, monseigneur? Ah. Pour la reine. Je veux fonder un collège. Vous inscrirez 2 millions de livres pour acheter l'hôtel de Nel et pour construire à la place un grand palais. Vous y mettrez la bibliothèque où tout le monde pourra venir. Et vous m'enterrerez à côté. Je veux que les élèves viennent des 4 nations que j'ai ajoutées à la France. Des fils de pauvres, comme j'ai été. Si un jour, un jeune Savoyard de Pignerol, ou un Alsacien, ou un garçon d'Artois ou de Roussillon, comme moi, quand je revenais à Rome, ils joueront peut-être au dé sur le marbre au-dessus de moi. J'ai bien aimé ce bruit-là. On dit que Charles le Téméraire a possédé ce diamant. Maintenant, c'est le Sicilien qui le tient. Megheno a dit de moi. Il reste à signer le traité avec le duc de Lorraine. Et le miroir du Portugal, monseigneur, pour qui? Pour la reine. Inscrivez-le. Lui a-t-on porté son bouillon? Oui, madame. Quand le roi doit-il revenir? Demain. Oh. Demain.
commencez par ce lundi. Assez mal. Il a beaucoup souffert. Maintenant, il est beaucoup plus calme. Ah, il a demandé qu'on le prépare bientôt pour accueillir le roi. Il sent encore là. Écoutez-moi, mon père. Votre ordre ne perdra rien. Mon père, lui avez-vous dit? Pour une abbaye. Je m'inscris pour une abbaye. Dites-lui, si je viens assez souvent, c'est pour une rente. Tenez, voilà le billet écrit. Qu'il signe. Mon haleine sent. Donnez-moi une pastille. Et du parfum. Je mets mes dernières forces à résister à mes médecins. Je ne sens pas trop la mort. Non, rassurez-vous. Est-ce que les papiers pour le mariage de Marie sont arrivés de Rome? Pas encore. Je n'irai pas jusqu'au mariage, vous verrez. Celle-là se refusera toujours. Dieu lui pardonne. Dieu me pardonne. Et Fouquet, monseigneur. Hein? Fouquet, ne croyez-vous pas qu'il est temps de déclarer au roi le détail de ces mauvais trafics? Nous verrons ça. Nous verrons ça. Vous le veillez d'assez près pour me rassurer pour le moment. Quand j'aurai vu le roi, faites-moi songer à dicter ces dépêches pour Rome. Si toutefois la reine me laisse en repos. Cette femme est tuée. Comment vous sentez-vous ce matin, mon parrain? J'ai bien envie de vous répondre ce que j'ai écrit l'autre jour sous le traité que j'ai signé avec le duc de Lorraine. Peractum est. C'est bien fini. N'y pensons plus. Je vous fais mon dernier présent. Un bon passage vers vos places fortes et les trois évêchés. Présent ne s'arrête pas là, puisque vous m'avez promis Colbert. Il faudra que je vous décide à me le donner. Hélas, plus vite que vous. Les conseils sont toujours sinistres. Surtout les derniers. Ne me laissez pas seul. Je vous en prie. Faisons comme autrefois, quand je vous apprenais à faire le roi. Je vous conseille de ne plus avoir de premier ministre. Ils ne servent bien que dans les temps de trouble. Tout ce que je sais vient de vous. De moi et de la Fronde. Et vous avez des dispositions à gouverner que vous ne soupçonnez pas. N'allez pas perdre votre temps à la vengeance. La vraie façon de soumettre vos ennemis n'est pas de les contraindre, c'est de les utiliser.
réconcilier toutes les forces de votre pays pour en être l'arbitre. Mais surtout, surtout, diminuez les impôts des petites gens. Prenez votre or dans la noblesse, dans la poche de vos financiers, dans celle de Fouquet, qui est trop pleine, mais soulagez votre peuple. Méfiez-vous de votre cœur. L'amour n'a rien à faire chez ceux qui gouvernent. Je vous l'ai appris durement. Vous aimiez Marie, je vous l'ai refusé. C'était ma leçon la plus difficile. Et je vous supplie de me la pardonner. Je sais que vous avez eu raison. Je vous aime et vous pardonne de tout mon cœur. Adieu, Louis. Je vous ai aimé comme mon roi. Et je vous ai aimé comme mon fils. Souvenez-vous, une nation n'a guère de réalité. Sinon, peut-être quand on la défend. Anne était espagnole. J'étais italien. Vous avez du sang de l'Autriche. Il n'est peut-être pas si important de régner sur des terres. Il faut d'abord régner sur les esprits. Par des mérites éclatants. Et le hasard. Je vais maintenant retrouver quelqu'un avec lequel il me reste à conclure un dernier traité. Et je vais perdre. Mon parrain, monsieur le cardinal, se meurt. Je veux que la cour prenne le deuil en noir et qu'on dise dans toutes les églises du royaume les prières des 40 heures, comme pour les rois.